Allez go, petite session levée du jour, il est 8h30, c'est tout mini, il y a là les vagues en vrai. On est avec Thibaut là, ça va être fun. Si t'aurais pas de blédard. Allez go, bon j'ai fait une vieille répa toute naze là. Ça devrait faire le taf, mais en vrai c'est un peu de la merde, faudrait pas faire ça. Mais bon tant pis, là j'avais pas trop le choix. On est avec le pote Thibaut qui fait la petite session. T'es chaud ou quoi mec? Chaud bouillant mon gars. Vague fun, malgré que ça soit pas très gros, mais bon, il y en a quelques-unes qui passent. Faut slalomer un peu entre tous les longboards, mais bon. Si tu kiffes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu. Thank you.
Allez, fin de session. Ok les gars, bon, du coup on est avec Thibaut. Pour ceux qui avaient suivi, on avait fait, c'est lui qui avait fait ma prépa, renfo, etc. Ces dernières années. Ceux qui avaient suivi sur Insta. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Thibaut. Je vais me présenter en tant que coach sportif. Donc, je suis Thibaut dit trainer. Je suis amené à suivre en fait des sportifs ou des gens qui veulent faire des transformations physiques sur l'entraînement et la nutrition. Et j'ai notamment suivi plusieurs sportifs et qui viennent du coup pour le surf, pour du coup une athlétisation, on va dire, de son physique pour qu'il soit plus performant dans le surf. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Ceux qui avaient suivi sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait depuis, on va dire, 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, on va dire, on a arrêté il y a 6 mois le coaching. Donc on a fait 1 an et demi de coaching. Entraînement, nutrition, tu avais fait de la nutrition aussi. Nutrition. On avait fait une prise de masse, donc tu étais parti au départ vers les 70 kilos, il me semble. Non, j'étais parti, j'étais à 65. Tu étais à 65 ? 65. J'ai fini là à 70. Là. Ouais, non, tu as fini à 70, tu étais à 65. Donc voilà, toi, ton objectif, nous, on va parler plus particulièrement niveau surf, je pense. Ouais. Et du coup. C'est pas forcément un objectif de prise de masse qu'on peut voir bodybuilding. On a adapté ça sous format de vraiment travailler la. Devenir plus athlétique, donc travailler au niveau de l'explosivité. T'as travaillé aussi la mobilité. Ouais, ça m'a... La nutrition, du coup, forcément une prise de masse, donc prendre un peu en masse musculaire, mais t'as pas pris. T'as pris, mais de manière athlétique. Ouais, t'as bon pas endroit, gonflé, on va dire. Ce qui m'a intéressé, c'était. Vraiment top pour le même après ma blessure. Alors, la mobilité là, surtout, c'était vraiment très intéressant. Ouais, c'est vrai que ça m'a bien aidé pour récupérer après ma blessure l'année dernière. Les petits circuits, en plus, toi, tu faisais notamment à la maison parce que je sais que les surfeurs, souvent, on est amené à voyager. Ouais. Tu vois, à Bali, j'ai pu continuer à faire mes trainings. Je les ai pas fait tout le temps, mais j'ai pu en faire quelques-uns. À voyager ou même, tu vois, souvent, un surfeur, il va peut-être pas aimer l'ambiance de la salle, tu vois. Ouais. Tous les surfeurs n'ont peut-être pas forcément apprécié, donc il y a aussi cette solution, tu as réussi à faire cette prise de masse et atteindre ton objectif en faisant un entraînement chez toi avec peu de matos, hein. Tu avais un TRX et 2 élastiques. J'avais, c'est à l'écran ce que j'avais, mais j'avais franchement le stick minimum et bon, ça l'a fait. Après, il faut vraiment garder l'assiduité et la motivation, c'est ça qui est le plus compliqué quand tu es tout seul chez toi, mais ça va, j'ai réussi à le tenir. Surtout au départ, on était très rigoureux sur ça, on faisait des bilans réguliers. Faut savoir qu'il y a une adaptation constante de la nutrition. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de nutrition, mais la nutrition, elle a rentré beaucoup en jeu, surtout sur une prise de masse, sur une transfo physique. Ça va rentrer énormément en jeu, mais même sur un maintien, on va dire, sur. Imaginons, tu es bien physiquement et tu veux être au top de ta performance. À l'eau, avoir le plus d'énergie, être le plus endurant possible, la nutrition, c'est. Faut pas le mettre de côté, il faut le prendre en compte. Quoi. Après, j'ai pas non plus fait. C'était pas non plus le meilleur là-dedans, mais on a quand même fait pas mal un petit peu ça. Du coup, après, toi, au niveau du ressenti sur ta transfo, comment t'as ressenti? Je l'ai vu, comme je disais, après ma blessure, partir même pendant ma blessure, j'ai pu refaire avec le kiné et tout, j'avais pas mal refait tes exos. Et en vrai, pour la récup, c'était vraiment top. Et même encore, je fais tu vois, la mobilité, etc. Même quand je m'échauffe, etc., je ressens carrément dans l'eau. Tu te sens plus explosif, dans les manœuvres, plus de mobilité. De toute façon, un surfeur, ça va être quoi ce qu'il va vouloir en particulier? Parce que ça va pas être comme les autres sports. En surf, ça va être une explosivité, mais surtout un transfert de la force par une mobilité, on va dire. Les meilleurs surfeurs. Ça va être ça va être qu'ils vont avoir une mobilité énorme et arriver à être explosif dans des positions hyper compliquées et envoyer des manœuvres tout en étant avec un cardio élevé en plus de voilà. Je t'avais demandé et c'est ça qui avait été cool, c'est que dans le training on avait quand même un peu de. Moi c'était des entraînements très intenses. C'était pratique en plus pour moi comme du coup genre j'avais pas beaucoup de temps. Pouvoir faire des entraînements. C'est ça. Mes entraînements ils duraient quoi 30 minutes, 45 minutes avec l'échauffement. Avec l'échauffement, ils duraient au moins 40-45 minutes. 45 minutes. Mais au final, un entraînement 40-45 minutes avec l'échauffement, t'as pas de matos, tu peux le faire n'importe où, tu peux le caler n'importe quand dans ta journée. Ça t'évite de bloquer 2 heures pour aller à la salle et tout, moi c'était ça qui me bloquait. Ouais, c'est ce qui. Après, pas forcément pour les surfeurs, mais ça c'est ce qui marche beaucoup pour les gens qui aiment pas la salle. Il y a d'autres solutions quoi. Il y a pas que la salle. Et après. Quand même la salle, on va dire, parce que toi, tu as fait par le poids du corps et un peu de matos. Mais le plus efficace, quand même, ça va être la salle. Ouais. Tu vois, si tu veux vraiment taffer en termes d'explosivité. Après, voilà, tu vas pas t'entraîner comme un mec qui va s'entraîner en bodybuilding, qui va essayer de prendre de la masse musculaire, d'être le plus sec possible, tout ça.
tu vas avoir un autre type d'entraînement qui va être plus tourné vraiment vers le surf. Même les exercices que tu vas choisir, il faut qu'ils soient tournés vers le surf. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est que j'avais fait, avant quand je m'entraînais tout seul, je faisais pas exactement ou même pas du tout les mêmes exercices qu'on faisait ensemble. Ouais, parce que tu as un travail de proprioception, d'explosivité à faire en même temps. Il y a plein de. Le surf, ça demande un entraînement spécifique et même d'endurance. T'as fait du cardio d'endurance aussi J'en ai fait un petit peu. Ouais. C'est important aussi. Ouais. Ouais, j'avais fait un peu de. Mieux, j'avais fait de la course, de la natation, tu sais, à côté. La natation. Ouais, natation, j'en avais fait pas mal l'année dernière. Et tu vois, j'ai fait une session. Dans le Pays Basque, là, qui était assez grosse. Ouais. Et bah, je l'avais carrément senti entre le renfo et la natation. Ouais, parce que de base, c'était ça, de base. Tu voulais te préparer, prendre la masse musculaire pour aller dans le plus gros. Ouais. C'est ça, c'est mon objectif, c'est de pouvoir être à l'aise dans toutes les conditions. Donc, voilà, je pense physiquement, t'as atteint un physique un peu de travail, athlétique où tu peux déjà commencer à taper des choses intéressantes pour toi et progresser quoi. Ouais, carrément. Ça va être le plus important. Si jamais vous voulez faire votre petit entraînement avec Thibaut. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez optimiser vos performances en surf ou faire une transformation physique parce que vous vous trouvez un peu trop gras ou un peu trop mince. Voilà, n'hésitez pas à me contacter puis de toute façon je mettrai toutes tes informations en description. Ouais, carrément, avec plaisir. À plus. Bonne session, on va faire une petite session après, on va se régaler. On va retourner à l'eau là. Allez, let's go. C'est on.